Ça commence comme ça. Chaude, les vagues dansent au rythme du vent. Sa majesté, la lune s'impose et ça excite les poissons volants. Tout le monde! La paix dans le calumet. Oh, laisse ton corps s'envoler en fumée. Oh, toi, sur moi, sous la voûte étoilée, cherche le plaisir et ne t'arrête jamais. L'emploi qui se tient dans le cadre de la Semaine québécoise des personnes handicapées du Québec. L'Office a conçu la Semaine québécoise des personnes handicapées il y a déjà 18 ans. Aujourd'hui, c'est sous le thème de cette année « Ensemble, bâtissons une société plus inclusive » qu'on désire cette année vous inviter pour que tout le monde pose des gestes concrets dans son quotidien pour favoriser la participation sociale des personnes handicapées. La participation sociale, c'est quoi?
Ben, c'est simple, c'est pour que les personnes handicapées, comme tous les autres citoyens, puissent participer à la société. C'est pour un enfant de pouvoir fréquenter un service de garde, mais c'est aussi d'aller à l'école. C'est pour toutes les personnes de pouvoir faire des activités de loisirs, aller au restaurant, aller au cinéma, pouvoir se transporter, pouvoir communiquer. La participation sociale, c'est tout ça dans les mêmes conditions, dans des conditions semblables à celles de tous les autres citoyens. Mais aujourd'hui, journée thématique de l'emploi, bien, vous comprendrez que la participation sociale, c'est aussi de pouvoir participer au marché du travail. Ce que ça veut dire, c'est avoir un emploi qui est digne de nos compétences, mais aussi à la hauteur des ambitions que chaque personne peut avoir. Malheureusement, aujourd'hui encore, les personnes handicapées sont encore un groupe qui est sous-représenté sur le marché du travail. C'est donc important de sensibiliser les employeurs, les gestions, la population en général à ce fait-là, mais surtout à l'importance de permettre aux personnes ou de favoriser l'intégration au marché du travail des personnes handicapées. C'est symbolique qu'on est ici aujourd'hui à l'École de technologie supérieure de Montréal, en plein cœur du quartier de l'innovation, en compagnie d'étudiants. Les étudiants qui sont ici, bien, vous êtes les travailleurs de demain. Plusieurs d'entre vous allez être les employeurs de demain, des gestionnaires. C'est important d'être sensible à cette réalité-là. Vous devez saisir toutes les opportunités possibles, toutes les chances de poser un geste qui est significatif pour accroître la participation sociale des personnes handicapées parce que vous le pouvez. On peut tous poser des gestes concrets qui vont accroître la participation sociale des personnes handicapées. Il n'en tient pas à une personne, c'est à chacun de nous de poser des gestes concrets. Alors, merci beaucoup à l'École de technologie supérieure de nous permettre d'être ici gracieusement. Merci de nous offrir cet endroit pour ce spectacle-conférence. Sans plus tarder, je vais laisser continuer le spectacle. Je vous laisse en compagnie de Martin, donc auteur, compositeur, interprète, rocker, à poursuivre la présentation. Je vous souhaite une excellente semaine québécoise des personnes handicapées. Je vous laisse la place. Merci beaucoup. En fait, je voulais vous parler de ma chance, la chance que j'ai dans la vie de pratiquer le métier que j'ai voulu pratiquer. On sait que ça n'arrive pas du jour au lendemain, ça, de choisir notre métier puis d'y arriver comme ça. Moi, c'est une passion qui a tellement grandi en moi que ça en est devenu ma vie au complet. Puis je voulais vous présenter pour la prochaine pièce des gens passionnés, des gens qui sont différents et qui chantent. Ils vont venir chanter avec nous. J'aimerais que vous accueilliez la chorale Les Muses avec nous. Nous allons vous interpréter une chanson qui est de circonstance dans le cadre de la Semaine québécoise des personnes handicapées. Parce que le titre de cette chanson, c'est « Différent ». Et on sait que tout le monde est différent. Toi, 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 même toi. Alors voilà, c'est parti. Traversant le cosmos sur un météorite, voyage en sperme. Et c'est le Big Bang! L'antichambre sous les yeux de mes sept ans. C'est cette vie dans le temps qui décide de ce que ça change étrangement le visage des gens quand t'es différent. Coup de tonnerre, sans défendre par magie, chante.
les amis, les mains dans les airs. Mon Seigneur, vous allez taper les mains avec nous. Hey, hey, hey! Nous tentons aujourd'hui de vous convaincre que certaines personnes handicapées sont capables de grandes choses. En l'occurrence, les muses. All right, les muses! On a un petit problème ici. Et voilà. Mesdames et messieurs, on parle aujourd'hui d'inclusion. On veut dans la société que tout le monde ait sa place. On souhaite que les personnes handicapées aient des jobs, aient des sorties, aient des amoureux. Et tout ça, c'est réalisable dans la société. On est maintenant en 2014. Les gens ont donc de plus en plus l'esprit ouvert face à la différence. Et ça me fait bien plaisir, en tant que porte-parole depuis 12 ans de ce bel événement chaque année, la Semaine québécoise des personnes handicapées. On fait maintenant une chanson qui parle de l'acceptation de la différence. Une chanson qui vous dit merci de nous prendre comme on est, voici comme je suis. Sous le regard
comme je dis. Love me, love me, baby. On lâche pas. Chance. En fait, je crois que tout le monde peut créer sa propre chance. Tout le monde a cette force de créer sa chance. Et les muses ont eu une grande chance dans la vie, je crois, de participer à un film. Un film qui mettait en vedette Gabrielle Marion Rivard, qu'on peut applaudir. Alexia et Anthony y étaient aussi. Et un autre grand du Québec, M. Robert Charlebois, qui... s'est prêté au film, il a présenté quelques chansons, et dans ces chansons, il y avait la belle chanson « Ordinaire ». Alors, on va vous faire ça, en compagnie des Muses et Anthony en solo. Je suis un gars bien ordinaire. Des fois, j'ai plus le goût de rien faire. Je fumerais du pot, je boirais de la bière. Je ferais de la musique avec le gros Pierre. Que je pense à ma carrière. Je suis un chanteur populaire. Vous voulez que je sois un dieu? Si vous saviez comme je me sens vieux. Ça va un peu mieux. Mais ce métier-là, c'est dangereux. Ils en donnent, ils m'en en veulent. Quand je suis fini, que je me retrouverai tout nu. Le jour où moi j'en pourrai plus. Il y en aura d'autres, plus jeunes, plus fous, pour faire danser les Yeah.
Merci les muses. Nous avions un autre invité, mais lui, je vous en reparle tout à l'heure. Il tenait à jouer le violon dans cette chanson. C'était très beau, d'ailleurs. Ah, je continue un peu de vous jaser de ma vision de la vie. En fait, moi, j'ai eu des jobs dans ma vie. Malgré mon handicap, j'ai eu une job assez intéressante. Ma première job, j'étais opérateur de remonte-pente dans un centre de ski. Et puis, il y avait des enfants qui montaient dans la remontée. C'était un Puma Lift qu'on met entre nos jambes puis qu'on monte comme ça en tirant. Et puis, moi, je travaillais en haut. Puis souvent, il y avait des petits-enfants qui tombaient. Puis moi, je venais pour aller les aider. Puis là, il y avait peur de moi. Ils ne voulaient rien savoir. Fait qu'au bout d'un hiver, j'ai changé de job. Et en fait, je suis allé faire une demande d'emploi chez Bell Canada. Et Bell Canada, eux autres, c'était des gens qui étaient en faveur de l'embauche des personnes handicapées. D'ailleurs, on souhaite que tous les employeurs au Québec aient cette ouverture d'esprit-là, parce que à valeur égale, une personne handicapée qui est capable de faire le même travail qu'une personne qui n'est pas handicapée aurait aussi le même droit que l'autre personne de travailler. Et il y a plus de 150 000 personnes handicapées au Québec qui sont aptes à travailler, qui sont volontaires pour travailler et qui sont toujours à la recherche d'emploi. Moi, j'ai eu une grande chance de travailler chez Bell Canada pendant 6 ans. Ça a été pour moi quelque chose de très enrichissant parce que ça m'a appris à être discipliné. Puis dans la vie, de la discipline, ça n'en prend. Donc, j'ai travaillé 6 ans chez Bell, mais la musique m'appelait très fort. Et il y a eu un espèce de miracle qui s'est produit chez Bell, un programme de départ volontaire qui nous permettait de quitter la compagnie et il nous donnait un peu de sous pour se débrouiller le temps de réaliser un peu notre nouvel job, nos nouveaux rêves. Donc, j'ai décidé d'y aller à fond et de devenir musicien pour gagner ma vie. Et il y a une chanson parmi toutes les chansons que j'ai composées qui est devenue la chanson qui m'a présenté à tout le Québec. On vous fait cette chanson avec grand plaisir. Tu me regardes d'une drôle de manière.
Merci. L'histoire de notre prochaine invitée, que vous avez vu jouer du violon tantôt, est assez spéciale. J'ai fait sa rencontre il y a quelques années, un an. Et il m'avait écrit en me disant qu'il souhaitait jouer de la musique un jour avec Martin Deschamps. Et son message m'a touché. On a réussi à se rejoindre et je l'ai invité à un spectacle il y a de ça, un an, donc. Et nous reprenons l'expérience cette année avec mon ami René Manta. René a le syndrome d'Asperger, ce qui veut dire qu'il a des pouvoirs magiques. Il a l'oreille absolue. Il joue du violon, il joue du saxophone. Et évidemment, il a connu des embûches dans son enfance, comme un peu toutes les personnes handicapées, comme tout le monde finalement. Mais aujourd'hui, c'est un élève modèle et un musicien hors pair, mesdames et messieurs. Nous allons vous interpréter mon plus récent single, qui est sorti quand même en 2010. Chanson que René interprète au saxophone. Voici « Près de toi ». Oh,
clôture, mesdames et messieurs. Je vous remercie sincèrement d'avoir été avec nous, de continuer d'encourager les musiciens et la musique. C'est notre nourriture. Merci d'être là. Merci à l'École des technologies supérieures de nous accueillir ici. On vous donne une bonne main d'applaudissement. Un grand merci à tous les aidants dans la vie et un merci tout spécial à des gens qui ont organisé une semaine incroyable pour nous. C'est les gens de l'Office des personnes handicapées du Québec. Merci beaucoup! En plus, on avait laissé de la place pour danser en avant. Fait que là, là c'est la dernière tune, c'est le temps ou jamais. Fait que déjeunez-vous. Êtes-vous prêts les muses? Yes! Are you ready, René? Oh! Yeah! Ouais. Oh, yeah. Chanson qui s'intitule Casanova! Oh! Prendre des photos, si les autographes, peut-être échanger le numéro de téléphone, ça va être là-bas. Merci.